encouragé, chef d'Israël et tous ceux qui ont participé à l'organisation de ce forum, à continuer. Vous aurez le soutien de la ville de Strasbourg, de la communauté urbaine, sans m'avancer, parler au nom des autres collectivités. Je crois que de ce côté-là, nous sommes tout à fait solidaires les uns les autres. Il me reste donc à remercier justement l'ensemble des partenaires pour leur implication et leur soutien dans cette démarche innovante, dans cette démarche novatrice. Merci donc aux organisateurs et particulièrement à Nadia Aubin, cheville ouvrière de ce forum, et bien sûr à Israël Nizan, qui en est dans ce forum. L'amateur de chair fraîche à vampiriser est aveugle à la beauté des rides et de la peau détendue, prête au concert de signification. Si le visage est un texte, la ride est une écriture. Le visage à la peau lisse est tendu et pauvre en signes, les émotions n'y sont guère perceptibles. Si le visage est un texte, il requiert un lecteur bienveillant. Les plis du visage sont les portées musicales où s'écrivent énigmatiquement les émotions éprouvées, les lectures ressenties, où se construit le dialogue infini des cœurs et des corps. On est sur une offre culturelle offerte par la ville de Strasbourg, par la communauté urbaine, par la région, par le département, pour que le débat démocratique puisse avoir lieu sur des questions où il n'a pas lieu ailleurs. Et donc voilà, c'est ça le forum, et pour moi, cet encouragement à continuer, c'est-à-dire cette offre culturelle gratuite à tous les Strasbourgeois, et le département nous demande d'ailleurs d'aller faire des événements dans les autres villes de la région et du département, cette offre, nous allons la poursuivre. Nous avons été sur la thématique de la fin de vie, nous serons l'année prochaine sur une thématique du début de la vie, et l'année d'après probablement sur les contrôles du comportement et la neurobiologie.